Yo les gars, comment ça va aujourd'hui? Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte. Et aujourd'hui les petits potes, c'est une vidéo découverte sur Battlefield Mobile, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo bien sûr. Et donc oui, je vais t'arrêter tout de suite, ce n'est pas un fake Battlefield. C'est bien le vrai Battlefield Mobile. Alors je t'explique, c'est une early alpha que très peu de personnes ont pu avoir accès. Moi, j'ai réussi à avoir accès. Si toi tu veux avoir accès, tu viens sur mon Discord, je balancerai tous les liens, t'inquiète pas. A savoir que vu que c'est une early alpha, faut pas s'attendre à un graphisme de qualité parce que on est que dans le début du développement quoi. Donc bref, si cette toute nouvelle vidéo découverte te plaît, n'hésite pas à lâcher ton gros like, ton petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos, bien sûr. Donc les petits potes, c'est parti, on lance Battlefield Mobile en Early Alpha, let's go. Donc alors, j'y ai joué hier soir, avant de tourner cette vidéo, j'ai fait genre une seule game juste pour voir ce que ça donnait. Voilà, dans l'interface de Battlefield Mobile Early Alpha, il n'y a rien de spécial à part du coup tout ce qui va être paramètres, graphiques, settings, contrôle et du coup sensibilité. Il y a le loadout c'est un peu vos classes, vos catégories que vous allez pouvoir vous faire en amont des parties. Donc là du coup moi j'ai la, par exemple là j'ai la F2000 pour le loadout 1 en arme principale, j'ai le P226 en arme secondaire, comme grenade j'ai juste la grenade frag, et comme arme un peu spéciale j'ai un lance-patate. Mais ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai un lance-patate. En loadout 2 du coup j'ai un sniper qui est le 338 Recon, j'ai la même arme secondaire, j'ai la même grenade et j'ai la même arme spéciale. Pour les catégories à droite, donc le sort de A, le truc de soin, le volant et le missile. En toute sincérité, je vais pas pouvoir vous répondre car je sais même pas à quoi ça correspond. Donc s'il y a des gens dans le chat qui savent à quoi ça correspond, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis écoutez, là c'est pour la partie un peu armement. Rien de bien grave, rien de bien ouf. Vous inquiétez pas, il va y avoir plein de trucs qui vont arriver sur les prochaines mises à jour. Parce que là ça reste quand même, encore une fois, je vais le dire, une early alpha. Donc les petits potes, on est parti pour cette première game. Let's go quoi. A savoir que dans cette early alpha, il n'y a vraiment aucun bot. Très clairement, ils ont mis aucun bot parce qu'en fait, les serveurs sont tellement pas assez costauds pour mettre des bots qu'ils ne sont pas obligés d'en mettre. Et qu'en plus, il y a tellement une hype autour de Battlefield Mobile que en fait, les serveurs sont quasiment complets à chaque fois quoi. Moi, je sais qu'il y a quelques games où on n'était pas 32. Mais on a toujours été entre les 25 et 30 à chaque game. Donc comment vous dire que ça c'est plutôt cool de jouer un jeu où il n'y a pas de bot, hein, je vous le dis. Allez, donc du coup, là, la manche va commencer dans 15 secondes. Pour l'instant, notre équipe, elle a un joueur de plus que l'équipe rouge. J'allais dire, elle est beaucoup plus remplie, mais non, pas encore. Il y a moyen qu'il y ait un joueur qui rejoigne en face ou pas. Les 3, 2, 1, bonne animation. Ok, let's go. Donc là, du coup, on voit les 5 points à aller capturer. Donc moi, du coup, je vais aller me redéployer. Let's go. Allez, donc là, du coup, j'ai pris ma catégorie 1. Faudrait qu'on aille se prendre le point A qui est juste ici. A mon avis, on serait pas à l'abri de croiser quelqu'un là. Effectivement, tout là-bas. Oh, je l'ai mis dans le mal. Ok, il s'est mis à couvert. Vas-y, on va aller prendre le drapeau. On va aller le capturer. On va balancer une grenade. Et du coup, on capture le drapeau, let's go. Allez, vas-y, on tire l'étendard. C'est stylé ça, le drapeau qui monte comme ça. Une fois qu'on a capturé le point, du coup, ça va nous donner des points. Allez. Let's go, c'est capturé. Sérieux, klaxonne lui. Ok, mort. Alors attention, ils peuvent carkill hein. Comme dans beaucoup de jeux hein. Je tiens à le préciser. Pourquoi je suis bloqué là? Ouais. Pourquoi j'ai... J'étais bloqué dans le bus. Oh. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Il y a des tanks dans le jeu. Ouais, t'as bien entendu. Il y a des tanks.
Alors attendez, c'est normal, ça bug, c'est une early alpha. Je lui demande un peu trop que ce qu'il pourrait me donner le jeu. Je l'ai passé au-dessus du mur, mais c'est un peu déconné. Regardez les affiches. Et elles bougent. Juste ça, c'est trop stylé, tu vois. Du coup, on a le point E également. Comme vous pouvez voir au-dessus de ma tête, là, ils sont en train de perdre le point C et il va falloir qu'on aille les aider. Le point B, on est en train de le perdre. Donc on va aller récup, on va aller protéger le point B. Si j'y arrive, hein, bien sûr. Oh merde, c'est pas la bonne porte. Oh, y a un gars là. Hop là, headshot. Ça, c'est un peu le couloir de la mort, celui-ci. Hein. Je vous cache pas que dans celui-ci, là, il y a trop de monde à chaque fois. Ok. On va essayer d'aller récupérer le point C. On peut pas tirer à travers les murs, ok. Enfin, pour l'instant, je le pense. Et du coup, on a neutralisé le point C. On va essayer de le capturer. Est-ce qu'on peut monter? On peut pas monter ici, ok. Il y a un gars là-bas. Ok, mort. Mort lui aussi. Non, 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 non. Ok, mort. Oh putain, y'a un gars là. M'a pas vu. Ouais, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, j'étais trop entouré là. J'étais en train de reprendre leur point là, ils sont tous venus comme des cowboys là. Ouais, vas-y, on se redéploie instantanément. On n'est pas si loin, c'est cool. Les portes, elles ne s'ouvrent pas. Donc ça, c'est un peu dommage, je pense que ça va être rajouté après. Ce serait bien que toutes ces portes puissent se fermer. Oh le con. Oh ouais, ils étaient deux. Ah bon. En tout cas, le plus important, c'est que là, comme vous pouvez le voir ici, on a carrément bah, tous les points, même tous, sans exception. Oula, le headshot, let's go! Alors là-bas, il y a un tank qui vient de passer. Les tanks, ils sont vraiment trop cheat. Hein. Attendez, je vais essayer d'aller le voir. Il est où le tank? Il est par ici, je l'entends. Il est là le tank? Ouais, il est là. Le tank il vous one shot, hein. Je vous le dis, il vous one shot. Ah, attendez, je vais lui balancer des grenades. Bah voilà! Une victoire? 255 à 0 points? Let's go! Bah ouais, let's go mon pote! Bon, ça reste qu'une early elf, ça fait bien chier parce que t'imagines, tu fais de la ranked et tu fais ça là, ce petit massacre là, comme ça là. Paf! Donc voilà les petits potes, voilà. À quoi ressemble Battlefield Mobile pour une Early Alpha? Alors, on avait déjà été teasé il n'y a pas si longtemps que ça qu'il allait avoir un Battlefield Mobile. Mais contrairement à d'autres jeux, bah, ils ont été bah, très silencieux, ils nous ont pas sorti d'exclusivité en amont comme des sneak peeks ou des zones de test. Là, c'est clairement, ils rentrent dans le vif du sujet. Ils nous font une early alpha avec un lien qu'ils ont dispatché comme ça sur les réseaux sociaux. Nous, on peut essayer. Et puis maintenant, ils attaquent le développement à fond. Ça, c'est super cool, quoi. Mais. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que ce jeu, eh ben, je pense qu'il est à surveiller de très près comme beaucoup d'autres jeux. Après, en toute honnêteté, moi, je pense que je vais attendre qu'il y ait de futures mises à jour pour pouvoir refaire des vidéos dessus si il y en a. Et puis, écoutez, les petits potes, moi, j'espère que cette vidéo-là. Petite découverte, elle vous aura plu. Si tu veux jouer au jeu, n'hésite pas à venir sur mon Discord. Et puis moi, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag. Bye bye.